Céramiste de Poitiers, donc plutôt un milieu ouvrier, et vice-présidente en charge de la culture sur la CCPF, donc communauté de communes de Pisé-Fort-Terre. Donc je m'engage au titre de la région pour agglomérer mes actions en tant que vice-présidente, puisque souvent la porte d'entrée sur la région, c'est la communauté de communes, et il y a fort à faire sur notre territoire, effectivement. Jean-Luc Meignet, donc citoyen de Puisé-Fort-Terre. Donc je suis né ici, je vis ici dans ce territoire. J'ai une double identité à la fois associative pour avoir créé plusieurs activités sportives, culturelles, notamment l'université pour tous de Puisé-Fort-Terre, ainsi que l'enseignement supérieur à Toussy. Et puis j'ai été élu, bien sûr, municipal à Toussy, ainsi que représentant de la CLECT et pour la Fédération des Eaux. Et donc je suis candidat au régional en numéro 3 sur la liste de temps des cerises de Bastien Faudot. Alors on accueille Séverine aujourd'hui, pourquoi? Alors moi j'ai fait le mot d'accueil tout à l'heure au train, mais c'est pas grave. Mais je suis très contente en fait en tout cas d'être là et de rencontrer des gens de terrain, parce que je pense que c'est important aussi pour apporter des réponses au plus juste des besoins des territoires, d'aller à la rencontre des personnes qui vivent dans ces territoires et qui sont au contact des véritables besoins des bourguignons, des francs-comtois, des bourguignonnes et des francs-comtois. Voilà, merci. Pourquoi vous avez emmené Séverine à l'aéroport? Je crois qu'il est indispensable sur une question qui touche totalement le développement durable et puis l'avenir de nos territoires, que nous ayons la représentation à la fois de Séverine Viesiès et de Bastien Faudot, les deux têtes de liste régionaux. D'une part parce que ce projet a fait l'objet d'un combat extrêmement fort qui a eu des répercussions électorales qu'on connaît dans l'Yonne, ici et à Auxerre, et d'autre part parce que la question est toujours pendante. Il faut trancher effectivement sur quel projet de territoire ancrer ce futur développement, le futur site de... Je m'appelle Bastien Faudot, je suis tête de liste du temps des cerises. À mes côtés, j'ai deux autres têtes de liste départementales. Christophe Jantin, qui est le local de l'État, puisqu'il est tête de liste dans l'Yonne. Et puis Séverine Viesiès, qui est porte-parole de la campagne. Les amis font un peu de bruit. Et Séverine Viesiès, donc, qui est porte-parole de la campagne, est tête de liste dans le Doubs. J'en profite pour vous présenter également Marie-Noëlle Lindemann, la sénatrice de Paris. Et là, on entame notre deuxième étape. Hier, on était dans la Nièvre. On a fini au Mont-Beuvray. Et aujourd'hui, on est dans l'Auxerrois. C'est ça. On dit Auxerrois. Auxerrois, pardon. Auxerrois. Ouais. Voilà. Et notre première étape aujourd'hui, c'est l'aérodrome de Branche. Et nous allons donner la parole à la mairesse de Branche qui va nous expliquer un petit peu quel est le projet d'extension, parce qu'elle en est là pour préserver la forêt autour de cet aérodrome. Voilà. Bonjour. Ça va? Bonjour, donc bienvenue à tous sur le territoire de Branche. L'aérodrome est donc une infrastructure importante pour notre territoire. Cependant, depuis quelques années, je défends l'environnement, donc je suis très sensible à l'aviation et à l'environnement. Et je pense qu'il est important de développer la plateforme plutôt au niveau touristique, que voilà, il y a une belle infrastructure, il faut la maintenir, mais rien n'est démontré aujourd'hui qu'elle permettrait un développement économique important pour le territoire. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Marie. Marie-Noëlle Lindemann, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous voir. Moi aussi, très heureux de participer à cette marche de la liste du temps des cerises, qui est une liste, j'allais dire, de printemps pour votre région, de printemps pour la gauche, et je l'espère de reconquête de progrès sociaux et écologiques dans notre pays. Ce que j'aime bien dans cette liste, c'est que ce sont des gens qui viennent de familles différentes, de partis, de structures différentes, mais tous engagés dans un lien avec les citoyens pour transformer la politique en général et la politique régionale en particulier.
dans votre région, la présidente actuelle de région est-il d'une grande ambiguïté avec Emmanuel Macron? Elle l'a été, elle le demeure d'une certaine façon, elle n'a jamais été très claire sur ses orientations, avec un sujet qui est relativement emblématique, qui est par exemple l'ouverture à la concurrence et la mise en cause de la SNCF dans les TER. Garder ce service public et une gestion SNCF pour les transports publics et les TER, c'est fondamental. Alors, ça ne veut pas dire que tout va bien, qu'il ne faut pas obtenir de la SNCF un certain nombre de solutions, mais c'est fondamental. Et puis, il y a la prise en compte d'un développement plus écologique, moins soumis aux pressions des lobbies, du conformisme ambiant, et on le voit dans un projet comme celui-là, où on n'a pas fondamentalement besoin d'une extension, et où on a besoin au contraire de préserver la biodiversité et la forêt dans ce secteur. Voilà, ça fait au moins deux sujets sur lesquels je pense que cette liste prend des engagements très clairs. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'à travers la diversité des forces qui s'unissent, qui sont clairement unies derrière un programme et des valeurs de gauche et écologiques, on montre aussi une capacité de rassemblement qui n'est pas simplement le regroupement des appareils politiques, mais bien des dynamiques citoyennes nouvelles, mais aussi une liste de renouveau et de renouvellement. Richard, peut-être une question, bienvenue. Et merci de participer à cette marche. Très bien. Bah, écoute. Et nous avons avec nous donc, un membre du SNUPFEN, syndicat solidaire par rapport aux forêts, Christophe Louis, qui va nous peut-être nous expliquer rapidement les enjeux autour aujourd'hui de l'aérodrome et des coupes de forêt. Bonjour, moi je suis surtout venu pour parler de forêt. Hein. Donc, le SNUPFEN, c'est le syndicat national unifié des personnels forestiers et de l'environnement. Donc, c'est une organisation syndicale nationale qui est affiliée à Solidaire. Nous, on se bat depuis plusieurs années maintenant hein, pour dénoncer la situation de l'Office national des forêts, puisque je suis salarié de l'Office national des forêts, et aussi pour un combat plus récent maintenant pour la protection des forêts, parce qu'on est inquiet des dérives industrielles qui sont actuellement à l'œuvre au niveau forestier. Voilà. Je ne parlerai pas de l'aérodrome, c'est un sujet qui est plus politique dans lequel notre organisation ne souhaite pas intervenir. Bon, par contre, effectivement, le projet actuel qui vous envisagez, qui consisterait à déboiser 20 hectares de forêt gérés par l'ONF qui appartient à la commune de Branche, alors que l'installation de l'aérodrome a déjà amputé cette forêt de 50 hectares, nous paraît quand même pas être tellement dans l'air du temps, on va dire. Raser de la forêt pour faire atterrir des avions, on peut s'interroger sur la pertinence de ce projet à l'heure actuelle, au vu des enjeux. Alors nous chanterons voilà. Dans les cerises. Eh ben c'est beau. Bon, c'est bien là que vous nous proposez là, un petit peu de gaieté, je sais pas. Levez les bras. Aérodrome de Branche, nous allons démarrer la randonnée du temps des cerises. Nous allons emprunter le GR213 en direction de Serre Parc pour voir qu'est-ce qu'a fait la région, le département, la communauté de communes avec 50 millions d'euros. A tout à l'heure. C'est des choses lourdes, tu veux les mettre dans mon sac, je vais les prendre, pas de soucis, il y a des histoires. Non, j'essaie. Mais ils nous rejoignent à un moment donné. Non, c'est intéressant. Pourquoi c'est pas intéressant, je ne sais pas. Hey, gilet jaune! De notre économie, ça veut dire de la production agricole et de la production industrielle. Pour travailler sur des bassins plus petits, et sur lesquels les gens ont une prise directe avec l'économie locale, les circuits courts, etc. C'est une garantie à la fois de qualité supplémentaire, supérieure pour les produits, et c'est aussi une garantie d'emploi pour les citoyens qui habitent ici, typiquement, dans la zone de l'Océan. Qu'avez-vous? Est-ce qu'il y a des sparadraps? Non, il n'y a pas des bobos. Est-ce qu'il y a des sparadraps? Est-ce qu'il y a besoin de... Il n'y a pas d'ampoule, c'est bon. On n'a pas marché, là, c'était de la rigolade. Bonjour à tous, voilà, je suis Franck Bénard, je suis sur OCR2 au niveau des cantonales. Voilà, je voulais vous citer...
Auxerre Parc, un projet départemental qui, de ce fait, a coûté des millions d'euros. Pour rien, parce qu'il n'y a que deux entreprises qui sont ici. Donc nous sommes contre ce projet, ça ne sert strictement à rien. Tout est vide. Il n'y a rien. Et ça a coûté des millions et des millions d'euros aux frais du contribuable. Donc voilà, c'était pour dénoncer cette chose-là. C'est de créer une poésie. Et ça, c'est sûr. C'est pour ça que t'as raison. C'est une soirée. Ouais. C'est la ville où que Johnny Hallyday a signé son premier contrat pro. D'accord, c'est ça que tu me l'as dit. C'est le cheminot. C'est quand même une histoire essentielle. Et c'est déjà François Méroun qui lui a fait signer son contrat. C'est vachement actif. Ça va clasher par rapport au boulot. J'ai que mon souvenir de moi étudiant. Il a interdit les mecs de mettre des pancartes avant dans la maison. C'est quoi la vie quand même? On est passé de 11 000 habitants à 5 000 personnes. D'accord, impeccable. Faites le liste dans Lyon pour le temps des cerises. C'est un concept original que d'aller vers les électeurs en organisant une randonnée. Pourquoi avoir fait ce choix? C'est surtout la situation sanitaire qui nous oblige à faire ça. Une impossibilité de tenir des réunions publiques, voire même de meeting en plein air, on ne sait pas encore. Donc on a opté pour ce choix de randonnée dans les 8 départements pour essayer de rencontrer les iconaires et partager un petit peu nos propositions. Et comment ça se passe? Moi je vais essayer de faire, je sais pas, vous repartez à 14h30, c'est ça? Ouais. Ouais, je vais peut-être faire un petit bout avec vous, je vais déjeuner là et j'aimerais bien repartir un peu avec vous quand même. Ouais. Revoir, mais... Oui, donc comment ça se passe? Quand vous vous promenez, vous arrêtez, vous parlez aux gens que vous croisez? Disons qu'on a pris, on a ciblé notre randonnée. Puisqu'on était sur la question des transports et des services publics. Donc on a démarré par l'aérodrome de Branche pour un petit peu regarder avec la personne responsable du syndicat des forêts la coupe de la forêt qui est prévue avec l'extension de l'aérodrome. Ensuite on est allé voir Auxerre Parc, les 50 millions d'investissements du département et de la communauté d'Auxerrois pour voir ce que ça donne. Et on a pu remarquer qu'il n'y avait aucun emploi et qu'il y a un aménagement qui nous semble totalement mégalomaniaque. Et qu'est-ce que vous proposez, vous? Qu'est-ce qu'on propose? Que nos investissements, que les soutiens des collectivités soient beaucoup plus ciblés au niveau écologique, au niveau social. Qu'on ne s'engage pas dans des projets où on n'est pas sûr d'avoir la garantie que des gens vraiment vont s'installer. Parce que là, on se demande ce qui va se passer sur cette zone d'Auxerre Parc. Hein. C'est-à-dire qu'on a des voies aménagées, des lampadaires, des abribus, des zones de pique-nique qui ne servent absolument à personne. Donc c'est vraiment pour nous du gaspillage. Si je ne me trompe pas, moi je suis arrivée dans le département il y a deux jours, c'est vraiment tout frais. L'une de vos mesures phares, c'est sur la désertification médicale.
Oui, c'est la création de centres de santé. Parce qu'aujourd'hui, on a de moins en moins de médecins dans Lyon. Et ce qu'on voudrait, avec l'aide de la région, monter des centres de santé avec des médecins salariés. Et c'est primordial parce qu'ici, la désertification médicale, c'est quelque chose qui vraiment touche le département en particulier, ce département en particulier. Si vous arrivez dans Lyon, vous allez voir, pour chercher un médecin traitant, vous allez vous amuser un petit peu. Voilà. Ok, ouais, c'est compliqué quoi. Ouais. Et une autre problématique qui revient souvent d'ailleurs même chez nos auditeurs, le problème de réseau ici dans le département. Oui, alors justement, on voudrait pouvoir favoriser l'accès au numérique dans tout le département, ce qui n'est pas le cas. On a un département qui essaye de fibrer tout le monde, mais on sait que ça sera impossible, les délais ne seront pas tenus. Donc ce qu'on veut, c'est absolument rediscuter les contrats d'installation, que les gens soient vraiment installés, parce qu'il y a encore plein de zones blanches dans le département. Par contre, on n'est pas du tout favorable à l'installation de la 5G. Hein. Pour l'instant, alors qu'il y a des endroits où il n'y a même pas de 3G, on marche sur la tête de vouloir mettre la 5G dans Lyon. Mmh. On peut considérer que vous êtes un peu une exception française. Je parle de votre formation politique, parce que vous avez réussi ici, dans Lyon, vous, je ne parle pas de vous en particulier, mais vous, votre groupe, a rassemblé la gauche. Oui, tout à fait. Ce qui est plutôt compliqué au niveau national et dans pas mal de régions au final. Est-ce que ça vous apporte une certaine, comment dire, c'est pas crédibilité le mot, mais c'est plutôt un soutien indéfectible et vous avez l'impression de pouvoir gérer cette élection de la meilleure façon. Ce qu'on a voulu surtout, c'est essayer de rassembler la gauche sincère, c'est-à-dire la gauche qui ne va pas avoir des orientations libérales comme le fait le gouvernement Macron, et les écologistes. C'était ça. Donc après, on a lancé un appel. Nous, ce qu'on voulait au départ, c'était rassembler vraiment tout le monde, comme par exemple dans les Hauts-de-France. Et malheureusement, certains ont fait le choix de ne pas être clairs avec le président de la République. Donc pour nous, ce n'était pas possible. On n'était pas d'accord avec sa politique. Et voilà, donc on a rassemblé tous ceux en fait qui ne sont pas d'accord avec la politique du gouvernement. Est-ce que c'était indispensable de se rassembler pour faire barrage notamment au Rassemblement National? On pense que par rapport au Rassemblement National, c'est important d'avoir une vraie politique sociale et écologique, hein, et pas des mesures d'accompagnement, de mesures libérales qui vont un peu plus désertifier, qui vont un peu plus appauvrir la population. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Vous avez quelque chose à rajouter sur la randonnée en particulier ou la campagne, quelque chose que j'aurais pas abordé ? Non, pour nous c'est une campagne dynamique qui démarre. On aimerait bien que les médias nous parlent un peu plus de nous, mais on est très contents de pouvoir répondre aujourd'hui. Et là on va se diriger sur la gare de Migennes qui est en travaux, mais c'est des travaux vraiment un ravalement de façade en quelque sorte, puisque l'accessibilité handicap n'est pas garantie, que le deuxième guichet n'a pas été prévisionné, et que ça fait 10 ans qu'on a perdu le TGV dans Lyon. Donc on va pour demander des vrais services publics de transport, parce que l'important dans Lyon, c'est la mobilité. Hein, ici, les gens qui sont venus de Besançon, qui sont venus faire la randonnée avec nous, se sont rendus compte que c'était la catastrophe au niveau des trains. C'est un problème aussi à Auxerre. Si on veut arriver à Auxerre, on prend le bus. Exactement. Un bus qui arrive toujours en retard, c'est la catastrophe. Les transports publics sont vraiment à développer dans le département. Et ça, concrètement, vous avez déjà des idées à mettre en place pour remédier à ça? Alors, ce qu'on voudrait, c'est faire un contrat de garantie de service public pendant 10 ans avec la SNCF. Pour surtout pas que la SNCF parte dans une privatisation du rail et des gares TER. Voilà. Et puis la deuxième mesure, c'est par rapport aux jeunes qui ont des problèmes de mobilité, c'est d'offrir la gratuité pour les 18-25 ans au niveau des transports publics. Super, merci Anna Mérine pour Lyon en commun, sur le département, sur le canton de Migennes. Et je suis aussi sur la liste des régionales, Tendez Cerise, sur la liste de Bastia. Okay. À Migennes, on parlait de la gare nous tout à l'heure. Quelles sont les autres problématiques à part le transport? Alors, sur Migennes, au niveau du sport, parce que je suis athlète, donc déjà je peux parler du sport, on a le stade Lucien Masson qui est donc en terre battue. Donc, ça fait plusieurs années que le club de Migennes, qui a de nombreux petits champions qui ont été plusieurs fois, demande du tartan, évidemment. Et c'est très compliqué. Donc, le maire de Migennes, apparemment, ne voit pas l'importance donc, de développer ce stade. Et pourtant, ce serait vraiment important.
parce que ça peut être un tremplin pour les jeunes de réussir. Et donc il faudrait mettre les moyens pour mettre cette piste aux normes, j'ai envie de dire, pour vraiment pouvoir s'entraîner. C'est pas seulement le tartan, c'est aussi le tapis pour faire du saut en hauteur, le sable pour le saut en longueur, aménager un endroit pour les lancer, donc de javelots, de marteaux. Donc il y a vraiment, je pense, un investissement à faire. Et après, on peut le récupérer, puisqu'après, ça fait des vocations pour les jeunes et donc des débouchés aussi professionnels. Donc le sport déjà. Et puis après, y a deux collèges à Migennes. Quand même, le collège Jacques Prévert, ils sont assez nombreux quand même. Et puis il y a aussi l'école Marcel Pagnol. Donc là, il y a une classe qui va fermer à la rentrée. Et puis il y a aussi des soucis parce qu'il manque des AESH. Et on a un problème aussi au niveau de la MDPH, la maison départementale pour les personnes handicapées. Il y a beaucoup de dossiers qui tardent à arriver. Donc il y a des enfants en grande difficulté dans cette école. Et donc il faudrait que la maison départementale pour les personnes handicapées recrute plus de personnel pour qu'il y ait moins de délais dans les dossiers. Parce que ces enfants sont en grande difficulté. Pour revenir simplement sur le sport, oui. L'exemple que vous avez pris là sur le stade à Migennes, enfin la piste d'athlée, pardon, est-ce que vous considérez que c'est représentatif aussi un peu dans le département? Est-ce qu'on n'en fait pas assez pour les jeunes qui veulent se lancer dans le sport? Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment d'infrastructures? Exactement. Il y a une piste à Saint-Florentin. La piste d'Auxerre doit être refaite. À Sens aussi, elle doit être refaite. Migennes. Donc je pense qu'il faut développer les infrastructures. Il y a aussi un manque, il manque aussi une salle pour qu'on puisse faire par exemple l'hiver du foot à l'intérieur, parce que quand il fait très froid ou qu'il pleut, c'est difficile de s'entraîner. Donc je pense qu'il y a un gros effort à faire, notamment aussi dans les écoles. Je pense qu'il faudrait plus de sport dès l'école primaire pour développer déjà les capacités des enfants et puis pour leur donner envie de faire carrière dans le sport, parce que c'est possible aussi de s'en sortir par le sport. Donc je pense oui qu'il y a de l'investissement à faire dans le sport à Migennes, sur le canton et dans Lyon en particulier, et dans la région aussi, puisque il manque aussi un stade couvert. Donc ça, la Bourgogne par rapport à toutes les régions de France n'a pas de stade couvert. En fait, c'est une piste de 200 mètres où on peut faire des compétitions nationales, mondiales, européenne, donc voilà, pour les sportifs, il manque cette salle. Donc il y a une salle qui est à Reims, donc c'est pour la région Grand Est, mais en Bourgogne, il n'y a pas de salle. Et notamment avec Dijon, la cité universitaire, ils ne peuvent pas s'entraîner en salle. Donc ça manque vraiment, vraiment un stade couvert, des pistes en tartan et puis des halls de sport, puisqu'il y a un hall de sport à Migennes, mais pour tout le département, c'est pas suffisant. Il n'y a pas assez de créneaux pour tout le monde et donc on ne peut pas. Tout le monde ne peut pas en bénéficier. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne font pas de sport et qui aimeraient en faire. Voilà. Et puis il faut aussi des aides au niveau des licences, parce que ça peut être assez cher. Et donc il y a vraiment aussi de l'aide. Et aussi, donc ça c'est pas le sport, mais c'est la culture. Donc je pense aussi aux écoles de musique qui doivent être aidées aussi, aider les parents à financer pour leurs enfants des licences de sport, mais aussi des cotisations à l'école de musique, puisqu'on a une école de musique à Migennes, mais ça a un coût, c'est à peu près 250 € par enfant. Donc je pense que la mairie, le département, la région doit aider aussi les familles à ouvrir leurs enfants à la culture, à l'art. C'est important pour la concentration, pour le développement personnel. Voilà, beaucoup de choses pour éviter que les enfants ne passent leur temps derrière les écrans. Exactement. Du temps des cerises aux élections régionales. On peut considérer que vous êtes une exception française, parce que je ne parle pas de vous en particulier, je parle de la liste, oui. Parce que vous avez réussi à rassembler la gauche. On a réussi à en rassembler un gros morceau, y compris de gens qui ont insuffisamment travaillé ensemble ces dernières années. Et ça, c'est un vrai motif de fierté, pas seulement pour moi, pour l'ensemble des composantes de la liste.
qui a une vraie cohérence sur le plan politique, qui en fait a considéré que l'unité était possible à partir du moment où on partageait ensemble une volonté qui était celle de la clarification, ce dont ont besoin celles et ceux dont nous défendons les intérêts, en particulier les classes populaires et les classes moyennes, qui souffrent beaucoup des crises que nous traversons depuis des années. Et le temps des services, c'est ça. C'est-à-dire une gauche qui a du cœur, de l'envie, de la détermination, et qui est dans la clarification, c'est-à-dire qui ne veut aucune ambiguïté avec le macronisme sous toutes ses formes, ni avec les autres droites dans le pays. C'est un motif de fierté, donc, ce rassemblement, mais et aussi une envie, une motivation. Ça vous motive à aller plus loin possible. Et aussi une raison d'espérer, parce que plus on rassemble, et plus les citoyennes et les citoyens entendent le message qu'on leur adresse, très clairement. Donc, bien sûr, c'est d'autant plus motivant, parce que les enjeux qui se décident aujourd'hui pour les 6 années prochaines en Bourgogne-Franche-Comté sont assez décisifs. On est au lendemain, il y a d'abord eu la crise de 2008, il y a maintenant la crise sanitaire, économique et sociale, qui sur le plan économique est d'une ampleur inédite depuis la grande crise des années 30. Et la région aujourd'hui, après la fusion en 2015 entre la Bourgogne et la Franche-Comté, n'est plus une collectivité locale. On ne l'a pas suffisamment expliqué. C'est devenu une puissance publique de rang intermédiaire entre l'État et les collectivités locales. Et on a besoin d'une région qui se projette dans l'avenir, en matière d'emploi d'abord, de services publics, de réindustrialisation, de relocalisation de notre économie, et une région très ambitieuse en matière de bifurcation écologique. Ce que nous appelons la bifurcation, c'est plus radical que les simples termes de transition auxquels on est habitué. Bifurcation écologique, ça veut dire qu'on a une urgence climatique aujourd'hui, le constat est partagé par tout le monde, et il est fondamental aujourd'hui que la puissance publique montre l'exemple, à commencer par la puissance publique régionale. Vous parlez de compétences, là on connaît les compétences hein, de la région, notamment, et il y a quand même un thème qui revient souvent dans le débat, c'est le thème de la sécurité. Est-ce que justement ce rassemblement est important pour faire barrage à des candidats comme Julien Audou à la région? Si vous voulez, c'est évident. Disons, pour nous, le constat aussi, et ça c'est un sujet important sur lequel nous avons un débat d'ailleurs au sein de la gauche, et le temps des cerises a fait un choix courageux, qui est aussi, à mon avis, très singulier en France. C'est dire très clairement qu'on travaillera, on a travaillé pour le premier tour au rassemblement le plus large possible, et au deuxième tour, on travaillera au rassemblement de la gauche, de toute la gauche et des écologistes, mais rien que de la gauche et des écologistes, car nous sommes convaincus que c'est ce périmètre-là qui permettra de reconquérir les cœurs, de reconquérir les consciences parmi nos concitoyens pour combattre efficacement le Front National. Ou le Rassemblement National, mais j'ai du mal à dire ce terme en ce qui les concerne. Et c'est un point essentiel parce que nous ne nous retirerons pas. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'avec le temps des cerises, les citoyens ont la certitude absolue qu'il y aura une liste de gauche au second tour. Et qu'on ne cédera pas au chantage du Rassemblement National. Et qu'on ne fera pas de gloubi-boulga et de grands fronts républicains où on assemble tous les libéraux, la droite, etc., dans une sorte d'opération de la dernière chance, parce que la gauche s'est beaucoup trop abîmée en se rassemblant avec des gens avec lesquels elle ne partage rien pour combattre conjoncturellement le Rassemblement National. La seule façon que nous avons de le combattre de manière sérieuse sur le fond, c'est d'inverser le sens des politiques publiques, d'être au rendez-vous des promesses formulées pour les citoyens en matière de qualité des services publics, en matière de réindustrialisation, de réimplantation de l'emploi, de relocalisation de l'ensemble de l'économie, de production en particulier, qu'elle soit agricole ou industrielle. Ça, c'est le sujet central qu'on a sur la table. Et pour ça, il faut une gauche sincère qui ne fait pas d'habileté entre des promesses de campagne
aux contours parfois flous, et l'application du programme dans le cadre de l'exercice des responsabilités. Et pour ça, le périmètre du temps des cerises, politiquement, on le connaît, mais c'est aussi le renouvellement, c'est-à-dire une certaine jeunesse. Je ne veux pas faire de jeunisme du tout. Il y a aussi des gens d'expérience avec nous. On a 6 élus qui sont conseillers régionaux sortants, de génération et de la gauche républicaine et socialiste, et qui nous prêtent main forte dans cette opération. Des gens d'expérience, des élus de terrain, des maires, des conseillers départementaux, parce qu'on a besoin d'être dans le réel. On n'est pas de doux rêveurs, on est des gens déterminés. Oui, donc à vous entendre, on se demande pourquoi on entend souvent que la gauche n'existe plus. Mais elle existe, et elle va le démontrer encore dans les années qui viennent. Elle connaît un trou d'air depuis plusieurs années, parce que la gauche de gouvernement a beaucoup déçu. Et plutôt que d'être dans une logique, comment dirais-je, d'autoflagellation ou de discours dépressif ou de culpabilisation des électeurs, parce que je pense que les électeurs en ont marre aussi de se voir montrer du doigt par les responsables politiques, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Je pense que les gens ont pu voter, il faut entendre ce message, il faut faire droit à ça. La grève civique, ça existe et elle a un motif. Les gens pensent que les responsables politiques ne peuvent plus changer le cours des choses. Et nous, on va leur démontrer le contraire. Je m'appelle Marie Benaguerré, je suis assistante sociale à l'hôpital dans l'Yonne. Je voulais parler des services publics et de la santé publique. Donc la santé publique, c'est vraiment ce qui peut permettre d'avoir une santé de proximité au plus près de nos territoires et pas simplement dans des gros centres hospitaliers à Dijon ou à Besançon, mais on a vraiment besoin d'une santé publique de proximité avec des centres de santé, avec des médecins salariés. Le temps des cerises veut vraiment baser sa politique de santé publique sur les services publics, le déploiement des services publics de proximité de santé et non pas sur des partenariats publics-privés qui ne viseraient qu'à libéraliser le système de santé. Voilà, donc la santé publique, c'est vraiment la santé de proximité dans l'ensemble du territoire de Lyon et de la Bourgogne et pas juste une santé centralisée dans les gros centres hospitaliers. Non, dans le Loire, dans le Loire-et-Loire. Dans le Loire-et-Loire. Vas-y, top. Bah ça aurait été bien. Ah, c'est pas idiot qui c'est là qu'on sera. Oui. Et 2001 aussi là. Il n'y a plus rien ici, c'est de l'eau. Ouais, ça va, ça va. Je crois rien. Un charmois. Le café, il fait du bon. Ouais, bon, il est fermé, sinon on va plus aller boire un café. Oh, quel mal. Bien conservé, hein. Avec Mathieu, tous les deux, on va faire en visio. En visio. Attends, moi je te filme toi. Ouais, voilà. Ça, c'est bien. Ça va quoi ? Quel quartier nous on est députés, il paye pas. Bonjour, je suis Bastien Achaud, je suis député France Insoumise de la Seine-Saint-Denis et
Je suis ici aujourd'hui à Migennes pour soutenir la liste Le Temps des Cerises menée par Bastien Faudeau sur une journée qui est consacrée au thème des transports, de la désindustrialisation et des services publics dans un lieu assez symbolique de Lyon, Migennes, une ville qui a eu le TGV, qui a vu les autorités locales incapables de se battre pour conserver cet arrêt de TGV, qui a subi une désindustrialisation massive qui a fait perdre un tiers de la population à sa ville et qui a fait perdre énormément de revenus à ses habitants. Une ville qui vient de perdre sa trésorerie municipale, qui a perdu son lycée que la région a fermé. On le voit donc, la question des services publics, de l'accès aux services publics se pose dans tous nos territoires, y compris dans un territoire qui était fortement industrialisé et qui aujourd'hui subit de plein fouet ces délocalisations. Et on le voit pourtant, il y a énormément de potentiel. On est devant un canal, que ce canal qui est l'un des nombreux qui en France pourrait permettre de mettre tous ces containers qui sont sur des buts et des camions aujourd'hui et qui polluent. On pourrait les mettre sur des bateaux, mais aujourd'hui tout cela est totalement sous-utilisé. Et pour ce faire, il faudrait construire des bateaux, cela créerait des emplois. Il faudrait basculer sur des trains à hydrogène, mais il n'y en a encore que trop peu. Et tout cela, ce serait des compétences que nous avons en France, que nous avons encore, mais il faut se battre aujourd'hui pour les garder avant qu'il ne soit trop tard et que tout cela soit délocalisé. Voilà les grandes problématiques de notre temps et voilà l'enjeu qui, il me semble, est porté par la liste du temps des cerises. Oui, je pense qu'en complément de ce que vient de dire Bastien, on met une pression, une dramaturgie particulière lors de cette élection régionale sur la question du Rassemblement national, de la pression. Et ici, dans Lyon, c'est un sujet emblématique. Parce qu'on sait que le RN réalise des scores importants et il y a un lien direct avec la perte de services publics, la perte de présence d'une façon générale des puissances publiques au sens large, que ce soit d'abord les collectivités locales, la région qui est aujourd'hui une puissance publique, on va dire de rang intermédiaire, et puis évidemment l'État. Et autant des cerises, c'est des choses que nous avons pris en compte. Il s'agit pour nous d'apporter une réponse structurelle, une réponse de long terme, et pas juste un à-coup, c'est-à-dire, ou un coup de campagne, comme cela est trop souvent organisé autour d'improbables fronts républicains pour faire barrage au Rassemblement national. La meilleure façon de faire barrage au Rassemblement national de façon efficace, c'est de réimplanter du service, de l'industrie sur ces territoires qui se sentent légitimement abandonnés par les puissances publiques au sens général. Et c'est le pari du temps des cerises, c'est le pari que nous faisons par exemple en proposant dès le lendemain de l'élection de mettre en œuvre un contrat de service public de 10 ans avec l'opérateur historique de la SNCF afin d'empêcher à tout prix la privatisation du TER en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Une mesure emblématique qui n'est pas que emblématique, qui sera concrète pour les milliers et milliers d'usagers du transport ferroviaire qui pourraient être demain soumis à une logique de concurrence dont on connaît les effets et dont on peut les prévoir dès aujourd'hui. Et c'est donc maintenant qu'il faut en décider. Voilà. Alors, je vais compléter également un petit peu tout ce qui vient d'être dit en disant que finalement, notre venue dans Lyon aujourd'hui est à l'image finalement des problématiques qu'on retrouve en Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'on est dans une région rurale, en partie rurale, et qui est touchée par la désindustrialisation et par la perte de services publics. Et notamment dans notre programme, on a, pour compléter ce que vient de dire Bastien par rapport au contrat de service public, la volonté de réhumaniser également le service public du train par la multiplication des guichets et la présence également dans les trains la nécessité de revenir à la situation de 2011 par rapport à la présence des petites lignes pour irriguer le territoire. Et donc c'est une mesure d'égalité territoriale, c'est aussi une mesure écologique que de développer les transports publics, et c'est également une mesure sociale, et on proposera également la gratuité des transports régionaux pour les moins de 25 ans. Voilà ce qu'on peut dire de notre venue aujourd'hui. Christophe Jantaz, donc, qui est tête de liste pour Lyon sur la liste Temps des Cerises, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, je crois que c'est bon. Ouais, okay. C'est bien là. Et on peut remercier Bastien Lachaud d'avoir pris le temps de venir nous soutenir ici à Migennes. Voilà, merci à toi. Et on remercie également les Insoumis de nous avoir accueillis ici. Alors, nous sommes ici à Migennes pour nous parler au niveau de la liste du Temps des Cerises. Je vous présente Jean-Pierre Ringard,
qui est candidat sur la liste du Temps des Cerises et qui est ancien cheminot. Vas-y Jean-Pierre, dis-nous un petit peu la situation un petit peu du train à Migennes et puis alors, un petit peu comment ça évolue. Ouais, alors déjà la SNCF, la privatisation avance à grands pas, la Covid a bien aidé cet état dans l'état qu'est la SNCF à faire avancer ses projets de privatisation. Alors ce 2011 normalement, c'est la date d'ouverture des TER voyageurs au privé. Et les copains syndicalistes que j'ai interrogés avant de venir m'ont dit qu'en fait ils ne savaient pas encore à quelle sauce ils allaient être mangés. Voilà. Alors concernant le service public ferroviaire de Lyon, il faut savoir d'abord qu'un bon service public ferroviaire, c'est un service public où il y a beaucoup de trains avec un cadencement et où il n'y a pas de rupture de correspondance. Et malheureusement, alors beaucoup de trains, eh ben, c'est loupé, puisque la région qui donne un budget, qui a un budget à peu près de 150 000 euros qu'elle donne au TER pour mettre en route les trains, récupère la billetterie et là, elle a perdu 50% de sa billetterie. Mais elle n'entend pas s'asseoir dessus. Elle récupère quand même l'intégralité des sommes qu'elle avait les années précédentes et donc la SNCF va devoir se débrouiller pour mettre en route ces trains avec moins d'argent. Donc la solution c'est simple a été trouvée, c'est de supprimer des trains. Donc il y aura beaucoup moins de trains au départ de la Bourgogne pour aller desservir Paris, Dijon, etc. Deuxième point, concernant donc un service public ferroviaire donc de qualité qui n'a pas de rupture de correspondance, à cause de la régionalisation, les trains TER Bourgogne s'arrêteront à Montereau. Et donc, pour les gens qui voudront continuer sur Paris, il faudra prendre une correspondance. Et on sait maintenant qu'il n'y a plus d'attente de correspondance. On n'attend pas les trains en retard. Donc, en fonction de l'horaire où les gens vont arriver à Montereau, eh bien, il faudra attendre une heure et peut-être plus. Voilà, donc le service est quand même mal engagé. Et nous, au Temps des Cerises, nous entendons bien remettre ça sur les bons rails, comme on dit chez nous. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup.